Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4 Remake. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on s'était laissé dans le château. Enfin, on est arrivé dans le château et on est mort plusieurs fois. Oui. On est mort plusieurs fois. Bon, il y avait les catapultes, hein, les fameuses catapultes, comme dans l'original. Sauf que, bon, là, c'est vrai que Ashley, elle meurt pas. C'est ce qui est étonnant, hein. Se prend des catapultes, mais elle ne meurt pas, elle reste immobilisée, donc c'était un peu chiant. Par contre, parce qu'à chaque fois, il fallait la relever, et bon, on est mort plusieurs fois, il y a quand même quelques petits trucs qui ont changé. Je me suis fait surprendre par un nouveau type de plague là, qui lui, one shot direct, hein. Il cherche pas à comprendre, il bouffe la tête. C'est à peu près tout, puisqu'on a fait que ça, hein, concrètement, l'épisode, c'était les catapultes. Et cette salle aussi, parce qu'on a quand même fait la rencontre de Ramon Salazar, le petit prince. C'est un prince ou un roi? Non, c'est un prince, il me semble, je sais plus. Bref, celui qui possède ce château, qui est aussi au service de Lord Sattler. Alors, il a changé hein, par rapport à l'original. Autant Mendes, bon voilà, ça restait toujours un gros barbu. Tandis que lui, il est toujours petit. Il est toujours habillé, comme au temps des. Quelle année, 1600, 1700, enfin, voilà, vous voyez un peu la période. Il est toujours comme ça, mais au niveau de la tête, c'est vrai qu'il fait un peu plus flippé, on va dire, hein, et je trouvais que c'était assez beau, hein, quand même, les graphismes dessus. Et ouais, donc il avait quand même une tête assez flippante, mais il était bien fait, hein. Je trouve qu'il est bien fait, Salazar, dans ce remake. Ça change un petit peu de l'ancien. Alors j'avais encore la voix anglaise de l'ancien, justement, qui était un peu plus aiguë. Du coup, je sais pas ce que ça donne en anglais. À tester un jour, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant je mets en français avec les sous-titres, mais c'est vrai que surtout pour vous, hein, pour que ça soit plus compréhensible. Je me dis qu'en original, j'aimerais bien peut-être le refaire un coup, et je le referai en anglais, je pense. Je pense que je le referai de mon côté, mais je le ferai en anglais, du coup, ça sera autre expérience, on va dire. Voilà. Bien. Sinon, je pense qu'on peut continuer vers le jeu, parce que là, bon, on s'est arrêté ici, mais on est bloqué, on peut pas avancer. La porte là-bas, on peut pas y aller. Tu vois, d'ailleurs, c'est rigolo, il y a ça qui bouge. Alors, ce truc est mort, mais pas mort. C'est un peu. Oh, regardez. C'est un peu dégueu. Mais petit détail, c'est sympa quand même. Hein. Ce mec-là, je donne un gros coup de fusil à pompe. Et voilà, il a plus de bras, mais son truc bouge encore. C'est un peu dégueu. Bref, c'est sympa en tout cas. Donc là, oui, Ramon Salazar était au-dessus. Nous, on doit quand même avancer dans le château, mais on ne peut pas y aller. Hein. Vous voyez que c'est fermé, donc on doit trouver un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est par là. Donc il y a plein de trésors que je peux pas récupérer pour l'instant. Ça va être par la suite. Donc là, on n'a pas d'autre choix que d'aller là-bas. On doit retrouver Louis, hein, qui est dans la cour intérieure, qui est quand même assez loin, mine de rien, parce qu'il y a tout ça à traverser. Ça va être sport, hein, je pense. Ouais, ça va être sport. Allez, on y va tout de suite. Ça me paraît bien. Alors, niveau des munes, où est-ce que j'en suis déjà? Oui, d'accord. Oui, je vois. C'est pas la folie non plus. Et je peux pas fabriquer grand-chose. Bon, ben, on va y aller avec le pistolet, hein. Écoutez. Ah, il y a quand même des bruits ici assez strange. On va voir si le château il est comme de l'original. Dans l'original, il était vraiment très what the fuck, déjà, parce qu'il y avait des choses what the fuck dans le château. Mais what the fuck bien. Je sais pas si je me fais comprendre, mais il était what the fuck bien. Là, on verra. Alors oui, je regarde, parce que je regarde là, au niveau de la caméra, si la luminosité elle est bien. Je pense que oui. Oui, ça m'a l'air bien. Bref, j'entends des bruits. Est-ce que c'est des mecs? Je ne sais pas. Oui, là, il y a des trésors, ici.
Oh oui. Ah oui. Mais bah oui, mais... Ah d'accord. Okay. Je me demandais comment je cassais ça. Ah, il est immune. Ça fait plaisir. Du coup, un rubis, attendez. Ah oui, d'accord, oui. Oui, ok, je vois. Ok. Excusez. Je vous ai explosé les tampons. Bref. Là, je peux casser ça? Non. Si, je peux casser. Ah, mais il me faisait pas la croix pour casser. Bon, j'imagine qu'il n'y a rien dedans, hein, sinon il y a une croix quand on doit faire un truc. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Ouais. Sois prudent. Oui, attendez, il allume son lampe torche là. C'est. Danger. Oh. Bonjour, monsieur. Alors, il y a une plante près de lui pour se soigner. Oui? Qui c'est qui a fait ce bruit? C'est lui? Ou c'est lui? T'es mort, toi? Le pauvre. C'est pas une belle mort. Eh ben non, c'est pas une belle mort. Ouais, on va lire ça. J'ai... De nouveau, était réveillé au plein milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol, les bruits de griffes contre les murs de pierre accompagnés de grognements glaçants. Ça me nourrit une telle haine qui pourrait détruire le monde. Autrefois, il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. L'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de la famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et il faisait bien. T'es doué pour torturer les autres. Son habileté ne tardera pas à attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il emmena dans les cachots, non, je ne peux écrire cela. C'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qui s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. Alors j'ai l'ordre de m'occuper de lui. De nourrir et nettoyer la crasse. Tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux pas tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain. Aussi loin qu'il le faudra pour ne plus entendre cette voix. Ah non... Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est le mec avec les griffes, là. Oh non... Je sens qu'il va être chaud à battre. Toi, t'es mort aussi? Nul ne s'échappera. Oh non... Bon, herbe rouge, bah oui, bah, tu m'étonnes qu'il donne une herbe rouge. Attendez. Attendez. Voilà. Tac. Bon. Alors... Par où? Par là. Et il faut une clé. Oh non, mais il va falloir obtenir une clé. Bah oui, évidemment. Une clé. Bon. Allez, hein, j'avance lentement, mais... Ça me fait peur d'aller là. Alors, normalement, il est aveugle, hein, ce mec-là. C'est juste qu'il est très sensible au son. On voit rien, là, d'ici. Alors je marche accroupi, c'est parce que je me dis ça fait pas de bruit accroupi. Oh là là. Oh là là, ça doit faire mal. Ah, il y a du sang en plus. Oh là là. C'est qu'ils ont vraiment dû... C'était quoi? Il y a des animaux ici? C'est pas un animal. Alors, je vais récupérer ça. Voilà le monsieur, hein. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de marcher accroupi comme ça. C'est lui? Ah non, c'est pas lui. Ah, un point de sauvegarde. Pas lui, c'est pas possible.
me prépare à avoir une cinématique. Oh là là. La clé, elle est là. La lumière est perdue. Ah, c'est super. Je dois faire quelque chose là ou je dois me barrer, hein, on est d'accord? Ou je dois l'attaquer? Ok, à mon avis, je dois aller là. Non, ok, avant on pouvait le. Il n'y avait pas des cloches? Si, il y avait des cloches avant. Là, va falloir le contourner. Non, mais... Alors, ok, pour le tuer. Ah, mais... Non, mais... Il vient dans ma direction, ok. Alors, attendez. J'essaie de trouver un moyen de le... Avant, il y avait des cloches pour l'attirer. Ah putain, il entend quand je fais ça aussi. Ok. Il entend quand je fais ça, c'est chaud. Mais comment je peux t'attirer, gars? Parce que là, du coup, à chaque fois, tu vas vouloir venir vers moi. Avant, il y avait... Ce qui était bien, c'est que oui, il y avait les cloches, les fameuses cloches pour... Donc, c'était assez... Ah, peut-être avec tout. Allez mon gars. Heureusement qu'il est tout seul. Voilà là. Merde. Je voulais le... Tourne-toi mon gars. S'il te plaît, tourne-toi. Va se tourner. Merde. Pas évident de l'avoir. Pas évident de l'avoir, il est... Faut tirer son truc dans le dos. Wouah ! Mais fonce pas vers moi, espèce de gros taré. C'est bon? Bon bah voilà, je l'ai eu.
Bon, écoutez, je vais retourner quand même en arrière, je pense. J'ai peut-être coupé des trucs, des mines ou quoi, vu que j'ai couru. Je fous quand même hein, ici, au cas où il n'y avait pas des trucs. Des mines, des machins, des trucs. Non, il n'y avait rien. Non. Ok, j'ai tout ramassé. Et là, ici, sur le chemin, il y a peut-être des trucs, non? Parce qu'au final, j'ai fait vite. D'ailleurs, en plus, j'ai utilisé du soin, donc maintenant, j'ai plus de soins, ce qui est super. Je n'ai plus de soins, plus rien. Je suis tout nu. C'est super. Enfin, ça, j'ai même pas de... Ah si, j'ai un spray. J'ai un spray, j'aurais peut-être pas dû utiliser du coup mon mélange d'herbe. Enfin après j'étais vraiment dans le mal. Hein. Allez. Bon bah ça allait. Jusque... Ouais du coup sur les cloches c'est vrai que c'est un petit peu différent du coup. Par contre attention parce qu'ils sont capables d'en mettre un deuxième. Alors je recharge un peu mes armes. Hop. Bon, je pense pas qu'il y en a un deuxième là. Y a pas un trésor, non? C'est quoi ça? Non, c'est une lampe. Allez, retrouvons notre ami Ashley. Ça m'a fait peur. C'est elle qui tousse. Bon, il n'y a rien dedans. Ah oui, c'est vrai, c'est... oui. Toi. En plus, elle n'avait même pas de lampe torche, elle. Rien. Mais t'avais raison pour les animaux. Et ouais. Hop. Les pesetas. Mais que... tu viens? Je sais pas ce qu'elle fout. Ah, commence à tousser. Tout va bien? Ça va. Du moins, pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Alors, je l'entends. La petite figurine. Oh, il y a une petite figurine. Voilà. On va la détruire. Heureusement que je suis avec des écouteurs quand même. On l'entend bien. Et de l'autre côté. Yeah, je vous rappelle, il y a une statuette par chapitre. Tant de bouteilles. Et un trésor. C'est ça le trésor? Bon, c'était ça, ok. Et... je suis obligé d'utiliser une balle. Oh purée. Même pas moyen de gruger avec le couteau. Une plante verte. Ça fait du bien. Quand même d'avoir un peu de soin. Y'a rien ici? Non. Là, y'a que dalle. Et là, y'a rien qui se cache. Ok. Bon. Ce petit tonneau. Bah go. Oh. Ah. Ouais, je me rappelle plus ou moins de... un endroit qui a changé, mais... oui. Wow. Vise un peu tout ça. Ouais. Épée de fer. Ah oui. C'est l'énigme pour ouvrir le truc. Attendez. On peut pas aller à les trucs là, non. Ok. Ça, je peux l'ouvrir. Poudre noire. Ah, c'est la fameuse énigme avec les épées. Épée rouillée. Épée dorée.
Et là-bas, alors attendez, regarde juste la map. 4 reliefs. Quoi? Trésor. Je suis dans quel sens là? D'accord. Et là, trésor. Et là, ben il y a une épée. Et oui. Je ne sais pas. Je gâche mes balles pour rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. À mon avis, si, il y a quand même des trucs à faire. Épée de fer. Et là, à mon avis, il faut mettre l'autre épée, mais. Je ne sais pas. Ce qu'il faut faire. Ah bah, voilà, c'est bon. Ok. J'ai fait de la merde, mais À quoi ça sert, ça? Voilà, j'ai fait de la... Pas à combattre. J'ai fait de la merde. J'ai pas compris pourquoi. Mais voilà, je sais pas ce qu'il fallait faire, fallait... À mon avis, il fallait tirer juste... fallait que les 4 lames s'allument en même temps. Bon, c'est pas évident. Par contre, purée, les munitions de pistolet que j'ai utilisées. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Tiens, d'ailleurs, je peux refaire du soin. Je vais en profiter tout de suite, mais... Ouh là là, je suis deg. Je suis dégoûté. Donc, attendez, épée ensanglantée, on est d'accord? Bah c'est ça, il transperce le gars, donc elle est ensanglantée. Oui, bah voilà, mais j'ai résolu. J'y ai résolu, hein, c'est, ça me semblait logique, hein, voilà. Chevalier de fer avec son épée de fer. Le roi qui abdoube le mec, là, avec, bah, voilà, l'épée dorée. L'épée après, elle est ensanglantée. Et là, après, bah, c'est les pieds les rouillés. Voilà. Bizarre, c'est trop calme. Trop calme. Je m'attends à ce qu'il y ait des mecs. Oh purée. Mais meurt, mais... Oh, à chaque fois... Voilà, je vais utiliser ça pour me soigner. Moi... Je suis soigné. Et à chaque fois, je me fais avoir... Des pesetas. De la poudre noire. Alors, je check juste... Ouais, j'ai tout récup. Et un bracelet en or, ok. Je recharge. Ah, je suis à fond. Va falloir que je fasse... fabriquer ça. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Rien d'autre. Bah, c'est super. Ah oui, j'arrive du coup à l'étage de tout à l'heure. Ok. Ok, ok, ok. Oh non, encore ? Attends, c'est la même pièce que tout à l'heure, non ? On a dû tourner en rond. Ouais.
Attendez, parce que moi je fouille tout. Ouais. Bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut débloquer le chemin. Et ça, c'est cool. On débloque le chemin. On peut aller de l'autre côté. Alors, là, il y a... Enfin, c'est le trésor. Là, il y a le truc pour ouvrir. Ça, c'est quoi? C'est pas pour ça. Ok. Sérieux? Va falloir faire tout le tour. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah bah pas le choix. Surtout essaye pas de faire ce que je fais. Bah ouais, essaye de pas faire ce que je fais. Ça risque pas. Voilà. Me laisse pas. Ok, là ça permet d'aller dans la cour. Attendez, parce que là, du coup, ok. Et ici... Ça va pas ou quoi? Sauter sur des chandeliers, c'est quoi cette idée? Tu te prends pour ma mère? Tu te prends pour ma mère. Alors, attends. Du coup, t'es venu par où? T'es venu par là? Ok, donc t'as vu le fameux... Oui, ok. Y'a pas un petit trésor ici qui se cacherait, non? Un petit machin, non? Donc il y a là, mais là on va aller plus tard. Je vais quand même casser ça. Ok, des pesetas. Juste que là-bas il y a aussi un truc. Va falloir que je saute sur les chandeliers encore. Allez. Ah, c'est pas à nous d'appuyer. Avant c'était à nous d'appuyer. Oui. Ça, bah alors. Ouais, alors attendez, juste. Pourquoi il s'allume pas? C'est forcément pour ouvrir un truc, mais. Allô? Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en aurait un autre? Non. Je ne sais pas. Ou alors peut-être en bas. Hein. Là déjà il y a un trésor. Tablier doré. Et bah non. Pour elle est forte pour m'avoir retrouvé quand même. T'es passé par où? T'es passé par l'échelle. Ok. Un truc que j'ai pas. Ok. Et là-bas, il me faut une petite clé. Ouais, voilà. Ok. Très bien. Bon, je vais aller voir le vite fait le marchand. Sauvegarder. De la qualité. Rien que de la qualité. Ouais. Alors attends. J'organise un peu mon truc. Ok, tout est rechargé à fond. Alors bienvenue. Mon petit gars. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Peut-être, certainement. Moi aussi, je devrais avoir des choses à vendre. Donc ça... Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le ouais, il n'y a rien à combiner dessus. Une affaire bien conclue. Merci. Bleu velours. Merci. Clé cachot, je sais pas. Bracelet élégant. Je pourrais peut-être rajouter des trucs dessus, donc à attendre. Est-ce que ce sera tout? Échanger. J'ai de quoi prendre. Comment? Quelques trucs. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Oh, reviens. Non. Quand tu... Juste. Ouais, la clé, je peux la vendre. Bienvenue. Voilà. Eh
je vais certainement pouvoir faire quelque chose. Et je vais garder le reste pour les trésors, du coup. Ok, ok, ok. Et c'est à peu près tout. Non ? Oui. Ils vont rien d'autre. Pas de nouvelle malle, hein, à tout hasard ? Non. Non, non, il veut pas vendre de nouvelle malle. Visiblement. Bon, c'est pas grave. Elle va pas te faire tuer, hein ? Oui, 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 t'inquiète. On sauvegarde. Hop, et allez, on continue encore un petit peu, du coup. Donc là, faut remonter. Et pour la porte, par contre, je sais toujours pas hein, si je peux l'ouvrir au final la porte là-bas ou je suis obligé de faire les sautiller. Je pense que je suis obligé de sautiller. Parce que là, j'ai ouvert les deux trucs et ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Donc bon. Après, on s'en fout, hein. On peut quand même faire autrement. Mais bon. Après, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Mais je ne pense pas. Oui. Allons-y. Poudre noire. Donc là, on est... Ok, dans cette partie-là... Pas d'avant trésor. Salutations, Monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fille ? Putain, ça faisait longtemps. Ouais. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Oh. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Le preux chevalier qui protège la princesse. Oui, ok. Attendez, parce que là... Il y a des trucs à casser. J'imagine que je vais avancer, ça va être la merdasse. Donc il y a une porte là-bas. Grande porte là-bas. Il y a un truc là-bas. Trois chemins ? What ? Non, il y a deux chemins. Ouais, mais attendez. Je vais aller voir ce qu'il y avait là-bas. Machine à écrire. C'est tout ? Bizarre. Une machine à écrire ici. Parasites de leur écologie, volume 2. Il existe des parasites capables de contrôler leur hôte, bien que ce soit bien connu de la plupart des biologistes. On ne sait pas grand chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Ouais, voici une liste de plusieurs de ces parasites. Les larves de parasites migrent vers un ganglion nerveux. Nanana. Bon, je dis pas tout, hein, mais. La fourmi infestée grimpe au sommet d'une plante. Et s'accroche à une feuille à l'aide de mandibules. Ah, se loge dans le cerveau, ok, nanana. Il y a beaucoup à lire. Les œufs avalés pour le volatile, le parasite termine sa métamorphose et passe au stade adulte. Ok, oui, bon, ça explique un peu les trucs, d'accord. Mais je vais où là ? Bah oui, c'est fermé. Ok. Je ne peux pas l'ouvrir, d'accord, super. Mais à quoi ça servait alors, du coup, d'aller dans ce KGB juste pour sauvegarder. Et là... Ah oui, bah là, c'est la porte d'en bas. Que je peux certainement... déverrouiller. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, let's go. Il nous a dit qu'il y avait un jeu. Je ne sais pas. Non, c'est pas...
Je sais... Non. Oh putain, c'est lui! D'accord. D'accord. Oui. Alors toi là-bas, je t'ai vu. Hein. C'est la fameuse salle. Ouais, alors ici c'est... Ah, le divertissement. Où ça? Là-bas? Ouais. Ok. Mais... Ashley. Allez, Ashley. Mourez tous. Allez. Je peux récupérer tout ça? Merci. Est-ce qu'il y en a encore? Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Je récupère tout. C'est bien. Attendez, je recharge. Y'a personne qui vient. Il n'est pas à la finie quand même. Je vais pas attendre non plus. Hein. Ok, j'ai plus de mission de TMP. C'est super. Je peux en fabriquer. Oh, si je peux en fabriquer, par contre, ça c'est bien. Je peux plus en fabriquer. Allez. On y va, bon bah vous aurez un long épisode hein, parce que cette phase est longue. Je vais quand même... Il y a des trucs à récupérer, il y a peut-être des munes à droite à gauche. Là-bas, il n'y avait pas un truc? Non. Si. Ah, et là-bas aussi, il y a un truc. Hop, des munes. Merde, viens Ashley. Il y aura des mecs, c'est super. Là j'imagine. Allez Ashley. Où sont les mecs? Je ne les vois pas. Ah. Oui, j'utilise ces mini... Oh! C'est chaud, hein? Non. Mais il faut combien de balles pour ces trucs là? Il va falloir que j'augmente leur la puissance. Bon, le waterroll hein,
Il a un petit peu changé, mais il est plus ou moins pareil. Toujours. Oh, tiens. Il y a des trucs ici à utiliser. Et oh, Coco. Hop. Là-bas. Il y a un pot à casser. Il y en avait un là-bas aussi au milieu. Ah, la roue. Elle est là. Oui, alors... Oui, d'accord, oui. Ah bah voilà, tout simplement. Ça devrait faire l'affaire. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Je sens que je vais en chier, par contre. Je te récup, là. C'est acheté qu'il fait encore ou pas? Oh, c'est moi le niveau de l'eau, il monte, là. Je sais pas. Ah, c'est à moi de le faire. Y'a pas des mecs? Non. Ok. Ouais. Ouais. Ashley. Merde. Viens, Ashley. Foutez-moi la paix. Ah, toi là. Bon, il est mort, l'autre. Putain de... Ok. Non. Hop. Allez, couteau. Meurs. Sale con. C'est bon, il est mort. Une femme. Attendez, parce que là, j'essaie d'avoir. Il y a les mecs qui me tirent. Allez. Meurs. Non! Le truc, c'est que je sais pas s'ils viennent à l'infini, mais il y a les archers là qui. Mec, avec leurs arbalètes. Ils sont infernales. Oh, purée. Allez! C'est bon, je l'ai eu. On va recharger un peu tout. Hop! On recharge. Attendez. Est-ce que j'utilise un spray? Non. Je peux pas en fabriquer. Ah, grenade aveuglante. Par contre, si, il faut que j'en fabrique. Ok. On réorganise un petit peu. Voilà. C'est bien. C'est nickel. Oui, je suis blessé. Non. Là-bas, il y a un truc que j'ai pas récupéré. Et il y avait ça. Oh, je sens que je vais en chier, hein, quand même. Oh, s'il y a trop de mecs, par contre, va falloir que j'utilise les trucs... des soins. Des gros soins. Ashley, tu peux pas le faire? Non. Ah ouais, c'est la deuxième phase. Cette phase, je n'aime pas non plus. Attendez, on va aller là. Avant, peut-être des trucs à récup. Des munes, du soin éventuellement. Sur les balcons. Non. La deuxième phase. Elle va être chiante, hein.
Est-ce que c'est encore à Ashley de... Enfin, si c'est encore Ashley qui doit monter et tout sur le truc, c'est horrible. Rien. Rien non plus. Parce que là, va falloir... Non. Va falloir être fort. Être bon. Allez. Eh oui. Une plateforme cachée. C'est un peu too much là, non, tu crois pas? Ah oh, purée. Ah ouais. Hop. Poudre noire. Ferraille. Ouais, mais qui mettent des mines comme ça. Pas des trucs. Bien. Attends. Bon, le problème, c'est qu'en fait, il y a les mecs, à la fois les mecs qui viennent. Ouais, je vais y arriver. Et à... Ouais. Y'a pas de mec derrière moi? Non. Ok. Par contre, si vous pouvez te dépêcher. Prends pas de risque. Vite. Mais oui, mais... Mais oui. Allez, gros connard. Mais... Allez. En vrai, t'as envie de lui donner des armes à... Meurs. Ah mais oui mais putain. Ah putain mais... Mais connard. Pire phase hein. C'est vraiment la pire phase. Et merde. Non c'est bon. Mais Ashley. Allez, cours, Ashley. Courage. Oh, mais... Allez, cours. Merde! Mais putain! Mais gogol! J'ai plus de mun là! Allez! Manne ton cul. Allez, cours. Ah, quand même. Allez.
Dépêche-toi. Bon, moi, je me souviens quand même toujours, hein, autant dans l'original que là. Je la trouve quand même très très nulle. T'es blessé ? Ah oui, bah oui, évidemment. Allez, viens. Viens, là, il y a encore des mecs. Ils viennent là-bas, en plus, c'est con. On les voit venir. Bon. Un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Je veux un point de sauvegarde. J'ai bien le droit d'avoir un point de sauvegarde, non? Après, c'est tout ce que j'ai vécu. Surtout que là, ça fait bientôt une heure. Quand même que je tourne. Hop. Alors, attendez, parce que il y a peut-être des trucs à fabriquer. Ouais. Ça, ça pourrait être sympa, voilà. Et ça, encore une grenade aveuglante. Hop. Trois, je suis à poil niveau mune, c'est chaud. Ça, le Waterall, il m'a carrément vidé. De toutes mes mules, hein. Oui. Ah. Envoyé haché, super. Compris. Ah, super. Ashley. Hey. T'es sûr que ça va? Ça a pas l'air d'aller, hein. Ouais. Bon, normalement on doit rejoindre Louis. Où es-tu, Louis? Ça a l'air d'être ici. Ça va? Je crois. Au lieu de t'inquiéter pour elle, inquiète-toi plutôt pour toi. Pauvre petit agneau. Retiens-toi, mon enfant. Ashley. Ok, bon, ça fait pas comme dans l'original du coup, ça change, c'est bien fait en plus. Ça reste assez logique, hein, de toute façon, puisque Ashley est infectée, donc ouais, le fait qu'elle soit, entre guillemets, possédée pour les séparer, pas mal, pas mal, pas mal. Résultat du chapitre, mort trois fois. Mort trois fois? Ah bah oui, les catapultes. Mort trois fois, attaque subie 20. Ennemi tué 69. Temps de jeu 1h63, ok, bon ça reste toujours plus ou moins pareil, ok. Mais j'ai pris quand même bien cher. Machine à écrire. Est-ce que... Bon, je vais quand même sauvegarder, mais je vais continuer juste pour m'arrêter en fait. J'aimerais... Il devrait avoir une machine à écrire sous peu. Bien marché. Un aperchoir. C'est la merde. On s'est réfugié dans un château, mais j'ai été séparé des glones. Aperchoir, j'entends mal. Tu me reçois? Pont. Est en route. Et merde. Y'a rien qui va. Ouais, y'a rien qui va. Comme tu dis, mon petit gars. Du coup. Moi, je viens de là. Hein. Salle de l'eau. Oui, 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 salle de l'eau, la fameuse. Chapitre 8. Ok, pas mal. Je crois qu'on est à la moitié du jeu, du coup. Il y a 16 chapitres. Je peux aller ici? Ah oui. Il n'y a pas un petit... Non, même...
Même pas un petit machin. Attendez, il doit avoir un machin, non? À quoi ça sert d'aller là? Bon, c'est très joli, hein. Mais il y a même pas un petit... Ah non. Je viens de capter que je pouvais faire ça. Super. Ok. Bon. Ben oui. Super. Il n'y a rien d'autre. Top, top, top. Bon, bah écoutez, on va voir le marchand et s'arrêter là. Parce que là. Il y a. Dure journée, étrange. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. Une machine à écrire déjà. Et le marchand. Dis-moi que t'as une nouvelle mallette. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Ah, t'as un gilet pare-balles, oui. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger? Ça pourrait te sauver la vie. Bah déjà, le gilet pare-balles. Ah oui, bah alors là. Ne t'en fais pas. Je propose également un service de réparation. Une nouvelle arme, tu dis? Je sais pas. En vrai, du soin, je peux peut-être en acheter. Ce que tu vois là, c'est que tu fais des réserves au cas où. C'est toujours, ça fait toujours du bien. De la ferraille. À quoi tu sais, j'ai pas toujours ça en stock. Je vais en acheter quand même. Est-ce que je peux t'aider pour échanger? Qu'est-ce que tu... Ah, le Matilda, pistolet. Comment capable de tirer des rafales de 3 coups. Où on a déniché ces merveilles. Parce qu'il est équipé de sa crosse. Il vaut mieux pas que tu le saches. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup le Matilda, vous me direz dans le commentaire, mais je pense pas, hein. Vous m'avez dit Punisher ou Red 9, les plus forts, donc du coup, je vais laisser comme ça pour l'instant. Ouais, je vais laisser comme ça. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Ouais, je me doute, hein, que j'aurais bien voulu une nouvelle mallette, mais bon, et t'en as pas. T'en as pas. Bon, du coup, on a notre gilet qui est sur nous, c'est sympa, c'est stylé. Mais écoutez, on s'arrête là, du coup, pour cet épisode qui est quand même bien long. Moi, j'en suis à une heure, mais je pense que je vous coûterai quand même des trucs, mais voilà, j'en suis quand même à une heure. Je suis pas mort, du coup. Je réfléchis, mais non, je ne suis pas mort, j'ai juste pris cher, mais je ne suis pas mort. Hein. Le Waterroll qui était assez long, quand même. Mais bon, c'était assez stylé, quand même. Faut l'avouer. Bref, je m'en suis bien sorti, au final. Donc, à voir, du coup, par la suite, faudra retrouver Ashley. Ouais, donc faudra aller là. Ouais, là, le jardin. Ah, super, super. Parce qu'on a ça, Ashley, ouais, qui est là. On a tout ça à faire. On a encore pas mal de choses, ouais. Bon, on verra ça, du coup, la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, bonne nuit, on se retrouve la prochaine fois. Cette semaine, je pense, pour la suite. Allez, bye tout le monde.